Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacharme. Donc on va commencer le tirage de ce matin. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que je trouve que la vue c'est toujours plus agréable que d'avoir une vue sur un bureau. Après, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui préfèrent avoir les cartes et voilà, moi personnellement, voilà, on est fin juillet, c'est les vacances. Quand on a la chance d'être dehors, et ben on reste dehors. Puis on fait profiter aussi les personnes justement qui restent dans des appartements. Je trouve ça tout à fait normal. Bon après, si ça ne convient pas, c'est pas mon problème. Alors, moi, Alors, je voulais vous dire que j'avais fait des pages sur mon site internet. Donc, bon, bah, pour des cadeaux personnalisés qu'on peut voir aussi sur Instagram. Mais pour moi, la chose assez importante, la plus importante en fait, c'est la page que j'ai faite sur le mécénat. Alors, voilà, bon, bah, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui partagent mes vidéos parce que, bon, bah, écoutez, si ça peut aider. Ça peut aider des personnes, tant mieux. Mais ce que je vous demande, c'est, en tout cas, ça me ferait très plaisir, si vous pouvez partager en fait la page sur le mécénat. Bon, j'ai encore des choses à. C'est pas dans la minute, hein, je vous rassure. J'ai encore pas mal de petites choses à rajouter, mais bon, déjà, voilà, c'est un peu. Ça résume un petit peu en fait ce que je veux faire. Bon, là c'est vrai qu'avec ces histoires de virus, personnellement je suis bloquée parce que je peux pas me rendre en fait dans les pays où je suis censée en fait élaborer tout ça. C'est pour ça que j'ai trouvé un peu dérivatif avec des produits personnalisés, mais c'est pas trop ce que je voulais faire en fait au début. Donc voilà, si vous voulez, alors je l'ai faite en français, parce que bon, pour l'instant je suis en France. Et donc voilà, et puis il y a des personnes qui pourront aussi découvrir un peu l'idée que j'ai par rapport à ce projet. Alors, aujourd'hui, nous avons. Eh bien, mes amis, nous avons le battleur. Alors, le battleur, carte numéro 1, donc c'est la lettre hébraïque, l'équivalent c'est Aleph. Et donc, écoutez, c'est une personne qui, en fait, reprend, on va dire, son pouvoir quantique. C'est quelqu'un qui a réussi ou qui va réussir à faire l'unité. En elle-même, donc on fait les masculins, mais je vous dis, bon là en l'occurrence c'est un homme le battleur, ça peut être aussi un bélier, donc en fait c'est quelqu'un qui a réussi à faire l'unité de ses contraires, donc on va retourner les cartes, donc là on est sur un 4 d'épée mais inversé, parce que je connaissais pas encore très bien ce tarot. 4 d'épée inversée, donc c'est encore une personne qui est dans le mental. Le 4, évidemment, on est sur le seuil de quelque chose. On est en train de cheminer pour couper quelque chose. Pour couper, évidemment, quelque chose, c'est évidemment avec le passé, hein, c'est pas, voilà. Mais on va dire qu'avec le battleur, on va dire que le mental ne fait plus ce bruit de casserole qu'on avait avec les 8 d'épée. On va dire qu'il y a quelque chose qui s'atténue, qui se délite, qui est en train de se purifier. Alors nous avons un roi de bâton à l'envers. Donc en fait le roi de bâton, c'est une personne qui a une certaine passion. Donc tout ça se fait. Par rapport à des relations amoureuses, des relations sentimentales.
Ce qu'on peut dire par rapport en fait aux 4 DP, c'est qu'un homme sûr, on va dire ses sentiments, sûr, on va dire son intérêt, parce que là les deux cartes sont à l'envers. Hein. Donc ça veut dire qu'on est assez haut dans les chakras, ce qui est normal, hein, puisque le battleur, c'est la lettre hébraïque Aleph, et Aleph, c'est le chakra numéro 11. Donc on est très haut dans les chakras, donc ça va arriver dans la matière après, dans 3-4 jours. Et donc on va dire que un homme, est extrêmement préoccupé par la façon dont il envisage ses relations sentimentales, mais aussi ça peut être aussi un projet qui lui tient à cœur, ça peut être la construction, on va dire, d'une relation passionnelle aussi. En tout cas, ça regroupe quelque chose qui est de l'ordre de la passion. En fait, il a du mal. C'est quelqu'un qui, par rapport à sa passion, soit pour une femme, soit par rapport à un projet, la projection de quelque chose, c'est quelqu'un qui se fait du souci, voyez. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas encore bien équilibré ses émotions. Donc là, on a la carte du monde, mais elle est aussi inversée, évidemment, puisque je vous dis, on est dans les hauts chakras, chakra numéro 11 aujourd'hui. Elle est inversée, carte numéro 22, c'est l'équivalent de Tav. Alors, le fait qu'elle soit inversée, ça veut dire qu'en fait, les choses peuvent être encore un petit peu bloquées. Il y a peut-être aussi, par rapport en fait, à un homme qui a une passion, un enfermement. Ouais, il y a peut-être un enfermement. Il y a peut-être encore quelqu'un qui tourne dans son mental, dans ses illusions. Mais en tout cas, c'est un homme qui va faire l'unité en lui-même, hein, qui va reprendre son énergie. On va faire la suite. Chevalier de coupe à l'envers. Donc en fait, pourquoi cet homme de... Alors, je les mets à l'endroit, hein, parce que bon, c'est quand même mieux. Pourquoi cet homme en fait a des problèmes en fait par rapport à son mental, a des idées évidemment qui lui reviennent sans arrêt. Il est très préoccupé par en fait une histoire sentimentale. Il s'est mis en retrait. Il est on va dire voilà il est un peu enfermé ou il s'est enfermé. Pourquoi? Eh bien c'est par rapport en fait un chevalier de coupe, c'est un homme en fait qui veut arriver dans une relation sentimentale d'une nouvelle manière, avec on va dire plus de voilà avec plus d'émotions, plus de peut-être d'authenticité. Alors la carte est à l'envers. Ça veut dire que justement par rapport à ses émotions, en fait. Déjà, chevalier de coupe, il est à l'envers, donc en fait, ça veut dire que dans la matière maintenant, ça se concrétise pas. Il n'y a pas de concrétisation, pratiquement toutes les cartes sont à l'envers, hein, sauf le battleur. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est complètement bloqué dans ses émotions, bloqué dans son mental. Ça n'avance pas. Bon, c'est normal, on est dans Keter, on est dans le chakra numéro 11. Donc là, par contre, on est sur le 7 de bâton, le 7 par exemple d'épée, mais il est bien droit. Donc, c'est par rapport à une décision. Je vous dis, c'est par rapport vraiment le 7, on est. Il est inversé, hein, ce 7 d'épée, toujours. Et donc, c'est par rapport à une passion. Alors, le 7 d'épée, on est à l'envers, on est dans l'enlisement, en fait, dans son mental. C'est un roi de bâton, on va dire, qui ne fait pas le travail au niveau du mental. C'est quelqu'un qui est en retrait, justement, probablement par rapport. À une décision pour aller vers une relation sentimentale. Le 7, c'est Zaïn, hein, c'est l'arme tranchante. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se préparer pour trancher en fait dans une situation passionnelle par rapport en fait au fait de une décision pour venir
pour venir apporter une coupe, pour venir apporter peut-être un message d'amour, hein, puisque le chevalier de coupe, on est un peu comme, on est un peu là-dedans. Et là, tout est à l'envers, mais vu que le battleur en dos de deck, en fait, nous donne en fait l'énergie qui va se retourner. Et là, on est comme hier sur un as de pentacle. Donc en fait, quelqu'un qui après en tout cas, on va dire ce bruit de casserole mentale, hein, eh bien, nous allons aller vers quelque chose de complètement nouveau. Il y a un nouveau projet dans la matière qui s'inscrit, un projet auquel les masculins, vraiment, ils sont extrêmement passionnés. Donc on va prendre un autre dos, un autre deck. Hop. Les Illuminati. Dans la matière, je vous dis, il ne se passe rien là. On est dans une forme de préparation où en fait on est sur la purification. On pourrait penser que c'est une situation d'enlisement. Il y a des personnes, si vous voulez, qui vont complètement. Des hommes qui vont complètement s'ouvrir avec l'as de denier. Après, en fait, par rapport à une passion. Bon, on sait tous que en fait, c'est la souffrance qui est le principal combustible pour avancer dans sa vie, malheureusement, hein, mais bon, voilà, l'être humain est comme ça, hein. Quand tout va bien dans sa vie, on est quand même très très feignant, il faut être très clair. Et donc là, si vous voulez, entre le 4 d'épée et le 7 d'épée, 4 d'épée et 7 d'épée, ça fait 11. Eh bien, c'est ça qui fait avancer le masculin, vous voyez. Et après, les cartes vont se retourner. Donc après, on va avoir une ouverture. Une ouverture sur le monde, donc sur de l'international, sur. Voyez. Alors, hop. Donc là, nous avons le fou à l'envers. Alors, je le mets à l'endroit, mais il est à l'envers. Hein. Donc, c'est normal. C'est normal puisqu'on est enquêteur. Donc en fait là on est réellement sur un entre-deux, hein. Le fou c'est le disciple, c'est une personne un petit peu voilà qui fait pas très qui va pas faire très attention, qui va pas trop savoir comment ça pour avancer, mais on est sur un recommencement. Et comme il est à l'envers, on est avant. Donc on est avant en fait la lettre hébraïque Bess qui nous permet de nous incarner en fait dans la matière. On est entre Aleph et Bess. Et donc en fait c'est très volatile, vous voyez. En fait on est dans des énergies assez mercurielles. Alors je vais retourner mes cartes. Donc là on a le roi de coupe à l'envers sur donc en fait un 4 d'épée à l'envers. On avait déjà eu le roi de coupe aussi à l'envers. Donc c'est par rapport en fait à un homme sur des sentiments par rapport à une féminine qui doit faire un choix. Et ce choix est difficile. Là nous avons sur un roi de bâton, nous avons un 5 d'épée. Donc en fait c'est par rapport en fait à une passion. Il y a un homme qui a eu le dessus. Voilà, la carte est à l'endroit cette fois-ci. Un homme a eu le dessus. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui sort victorieux d'un combat. Évidemment, c'est un combat mental. Bon, d'autres vous diront à quel prix vous sortez victorieux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien. Hein, il faut tout reconstruire à zéro.
Le 5, on est dans le hiérarque, on est dans le pape, hein, donc en fait, c'est par rapport au mental, c'est par rapport à une unité du masculin, hein, c'est pour ça qu'on a le butler. Et c'est peut-être aussi par rapport à une passion, ou par rapport, voilà, c'est par rapport à une passion, on a eu le dessus, on a eu le dessus par rapport à un choix, par rapport à une façon de voir et de faire. Et là, nous avons toujours un prince de coupe, donc on est énormément dans les émotions. On est probablement dans la purification des émotions, parce qu'on est vraiment entre les épées et les coupes. Donc là, on est en train de... Vous voyez, il y a une cascade derrière, hein, donc écoutez, voilà. C'est la purification des émotions. On est vraiment, bon, c'est un peu violet, donc voilà. Et là, en fait, on est complètement en retrait. On est enfermé dans sa tête, hein, et on est totalement en train de se purifier de l'intérieur. Voilà. Et ce prince de coupe est droit. Et je vous dis, c'est sur le monde. C'est peut-être aussi par rapport en fait à une nouvelle ouverture sur les choses, une nouvelle façon de voir peut-être l'humanité, on va dire. Là, on a sur le cavalier de coupe, on a la grande prêtresse. Donc, par rapport en fait à des masculins qui veulent aller voir des féminines pour leur faire une déclaration, évidemment, c'est par rapport à une femme. On va dire qu'il tient la Torah dans la main, déjà. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. La grande prêtresse, ça peut aussi signifier qu'il y a des masculins qui restent dans le silence par rapport en fait à un cheminement intérieur par rapport à leurs sentiments vis-à-vis d'une femme. Ensuite, bon, à côté, on a sur le 7. Sur le 7 d'épée, on a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, évidemment, c'est, je vous dis, on l'avait eu hier. Il y a des personnes qui, enfin, il y a des hommes qui sont en train de cheminer, on va dire, psychologiquement, par rapport, en fait, à une femme qui est une femme qui leur procure beaucoup de passion. C'est pour ça qu'on a le roi de bâton au-dessus. Donc on a le roi de bâton et la reine de bâton en même temps. Et là, on va dire, il y a une dualité. Il y a une dualité du mental. On essaye d'avoir le dessus, en fait, sur une relation passionnelle au niveau du mental. Donc on n'est pas encore dans le battleur, on est vraiment dans la dualité. Là on est sur un as d'épée toujours à l'envers, hein, puisque là on est sur les hauts chakras. Donc l'as d'épée sur l'as de denier. Donc là on est en train de se préparer, on va dire émotionnellement, pour un nouveau départ, hein, bah, l'as de denier c'est ça, par rapport en fait à des émotions. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de restructurer en fait son intellect, son mental, hein, c'est pour ça qu'on a le fou à l'envers. Vous voyez, y a une grosse préparation intellectuelle là en ce moment pour aller sur un nouveau départ. Alors, on va continuer avec le tarot sensuel. Je sais que ça fait rire pas mal de gens. Donc là, en fait, on va dire qu'il y a Oula. Il y a des gens qui se positionnent. Qui se positionnent par rapport à quelque chose. Voilà, par rapport peut-être à une nouvelle perception émotionnel. Bon, on va dire que bon, dans le tarot, il y a une carte qui s'appelle la tempérance, qui est en fait l'équilibrage entre la passion et les émotions.
Mais là, y a un positionnement, on va dire, bon, parce qu'évidemment, les émotions, ça fait souffrir, hein. Il y a un gros travail sur les émotions, sur la souffrance, en fait, hein, sur les blocages aussi. Il y a un gros travail sur le mental, hein, voilà, le mental est en train de tomber, c'est pour ça qu'on a le fou à l'envers en dos de deck. Et le battleur, hein, on est sur le 0 et le 1, on est entre le 0 et le 0, vous voyez. Et c'est par rapport aussi à à du savoir aussi, je vous dis, la prêtresse, la papesse, c'est du savoir transgénérationnel. C'est un homme qui ne dit rien, c'est un homme qui est en retrait. C'est un homme qui scrute vraiment ses émotions. Là, je vous dis, c'est à la loupe, hein. C'est un peu le même tirage qu'hier, hein. Donc là, nous avons 8 de bâton à l'envers. Voilà. Donc 8 de bâton à l'envers, c'est clairement. Parce que le 8 de bâton, normalement, c'est la communication. Et comme il est à l'envers, en fait, ça veut dire que quelqu'un ne communique absolument pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a fermé sa porte, très clairement. C'est être. On est aussi dans la justice. Donc là. Là, on peut dire aussi y a un événement qui est en train de se profiler, soit par rapport à un rééquilibrage karmique, soit par rapport en fait à des informations, des mails, des documents, par rapport en fait à la justice. Et donc c'est quelqu'un qui va prendre une sacrée connaissance par rapport en fait à un événement karmique qui va arriver. Et ça va être déterminant, si vous voulez, pour passer en fait à un nouveau cycle. Alors, je vais regarder les cartes. Hop. Donc là, toujours à l'envers. Donc là, en fait, on est carte numéro 11. On est sur l'équilibre. L'équilibre, évidemment, c'est aussi la justice. Bon, là, il y a des signes de la balance. Donc en fait, on essaye d'équilibrer évidemment ses émotions puisqu'on est sur un roi de coupe et sur un 4 d'épée, on équilibre ses émotions. Là, nous avons un 3 de bâton, donc en fait, qui est à l'envers aussi. Donc en fait, on est à la recherche de partenariat, mais ce qu'on peut dire, c'est que le roi de bâton était, on va dire, au niveau passionnel, on va dire, il y avait des possibilités, des recherches de nouveaux partenaires, on va dire, et que finalement, finalement, si vous voulez, dans la matière, il y avait quelqu'un qui pouvait être un peu filou. Mais vu on a un roi de bâton, en tout cas, c'est quelqu'un qui va être rusé par rapport à un partenariat, en fait, pour sortir d'un conflit. Et en fait, c'est quelqu'un qui va gagner ce conflit. C'est quelqu'un qui va gagner un conflit peut-être par rapport à de la justice, un rééquilibrage. Là, on est sur un 2 de denier inversé. Un 2 de denier inversé sur en fait, le monde inversé. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de jongler dans sa tête, hein, par rapport à, on va dire, un projet, hein, un projet passionnel, un projet passionnant, un projet, si vous voulez, qui va emmener les masculins sur des choses internationales. Et donc là, le 2 de denier étant inversé, il y a comme une dualité, vous voyez, on est en train de jongler. Donc en fait, c'est par rapport à une décision et c'est par rapport à une relation sentimentale. Le 3 de bâton, ça veut aussi dire, je vous dis, bon, les partenariats, mais pas seulement. Il y a peut-être une dualité avec une femme ou en fait, il y a peut-être deux hommes.
Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui va sortir victorieux, on va dire, d'une situation sentimentale, mais à quel prix? Par rapport en fait peut-être à une dualité que certains hommes avaient par rapport peut-être à deux relations sentimentales. Donc là nous avons par rapport à la prêtresse, nous avons un 7 de denier qui est inversé mais je vous le mets à l'endroit. Le 7 de denier, bon bah écoutez, on prend un peu les choses à zéro. On est en train de planter les nouvelles graines. C'est par rapport à de nouvelles connaissances évidemment que l'on a sur soi. Et donc on est en train de germiner, de cheminer doucement par rapport à un message qu'on souhaite envoyer. Évidemment, une féminine, c'est un message d'amour, hein, puisque c'est la coupe. Mais tout cela est à l'envers, mes amis. Donc pas de panique, ça ne va pas arriver demain. Enfin, je veux dire, ça ne va pas arriver tout de suite. Là, nous avons un 8 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui, par rapport à une femme qui apporte beaucoup de passion, je vous dis qu'il y a un chat noir, qui en tout cas a des connaissances, c'est un homme qui est en train de se battre évidemment dans son mental. Hein, le 8 d'épée, c'est cela. Et on est sur un 7 d'épée aussi inversé. C'est quelqu'un qui peut-être aussi se bat dans des histoires de justice, hein, voilà, et parce que cette carte est à l'endroit actuellement. Et il se bat pourquoi? Eh bien, à cause d'une mère de denier. Bon, cette carte est à l'envers aussi. Donc, c'est un homme qui est en train de trancher dans la matière par rapport à une femme qui l'entoure. La carte est à l'envers, la carte de la reine de denier. Donc en fait, on peut dire que c'est une femme qui est profondément attachée à son argent, qui est profondément vénale et qui, on va dire, met certaines personnes dans des situations de sacrifice. Hein, voyez, cette servante qui lui apporte des fruits. Donc voilà, donc pour une femme, on va dire, eh bien, les gens autour d'elle sont un peu comme des serviteurs. Donc en fait, bon, bah, ça augure pas mal de manipulation. L'as d'épée étant à l'envers, il y a des masculins qui n'ont pas encore tranché par rapport à ça. Et ce qu'on peut dire aussi, évidemment, c'est que toutes ces épées qui sont à l'envers augurent de la trahison, de la manipulation et, on va dire, de la malveillance de la part de personnes qui les entourent. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, moult fois. Alors, on continue. C'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs du matin parce que c'est divin. Les odeurs du maquis, là, l'odeur de la terre qui remonte, je trouve ça super avec les. Il y a un petit peu d'odeur, un peu d'iode, de varech. Enfin, vous voyez, c'est un mélange. C'est vraiment super. Allez, je pose. Hop. Bon, ça va être des énergies, je pense, jusqu'à la pleine lune, hein, ce genre de choses. Donc là, force majeure, voilà. Bon, ben, carte numéro 14. 14, c'est la tempérance. En même temps, cette carte, c'est le diable. Donc, on va dire que les masculins se battent aussi avec leur dépendance. Leur dépendance affective, leur dépendance bah, sexuelle, leur dépendance à la drogue, à l'alcool, voilà, ce genre de choses. Et donc, en fait, on va dire que par rapport à ça, la carte 14, je vous dis, c'est la tempérance. Donc, en fait, on est en train d'essayer de trouver de nouvelles voies qui permettent de sortir de dépendance affective, notamment. Alors, les cartes. Hein.
Donc là, on est sur un changement, carte numéro 49. C'est un changement radical, hein. On est sur un as de coupe. Donc là, on va dire qu'il y a des gens qui vont balancer les tables, hein, qui vont retourner les tables. 49, on est sur l'ermite, hein, donc c'est par rapport à des relations sentimentales du passé. Et 4, on va dire, bon, bah, ça, en 49, ça fait 13. Donc en fait, on est dans même, hein, la lettre hébraïque même, donc en fait, on est dans la mort et on est dans les émotions. Et donc par rapport à ce changement, eh bien, voyez, on est en... Alors là, ça concerne les dépendances affectives, donc en fait, on va dire qu'on est... on est en train de cheminer pour ne plus être dépendant, voyez. On est en train de cheminer vers quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus équilibrant. Et ça concerne un homme. Hein. Et là, un homme est en train de changer, mes amis. Donc, la carte numéro 19, le temple foudroyé, la misère et la prison. Donc, on avait un roi de bâton, ouais, c'est ça, un roi de bâton qui était totalement dans l'enfermement, qui est en prison, qui était aussi en train de... Parce que le temple foudroyé, c'est cela. C'est quelqu'un qui va gagner dans une situation. À quel prix, je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui va sortir... de façon pas évidente. Et c'est quelqu'un qui par rapport en fait à peut-être à des dépendances sexuelles, voyez, on a un homme de femme est en train de voilà est en train de se transformer. Alors le temple foudroyé c'est le foudroiement de l'ego, c'est par rapport à quelqu'un qui avait probablement des dépendances sexuelles, voyez, multiples, ce genre de choses. Voilà, et c'est pour ça, et c'est quelqu'un qui est en train de repartir sur des bases, on va dire, de relationnel, passionnel, de sentiments autres. Voilà, mais ça se bat beaucoup dans le mental. Alors, parce que la carte numéro 19, c'est aussi la carte de la, du soleil. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que y a des masculins qui sont en train de réfléchir à à leur relation sentimentale par rapport à de l'engagement, hein, puisque le soleil, c'est aussi l'unité et c'est aussi l'union. Et donc là, on a un 9 d'épée. Bon, alors on recommence, hein, on arrive au bout du bout du bout du mental. C'est pour ça qu'en fait, on est... Donc c'est toujours par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions, et c'est par rapport à une dualité, hein, c'est la dualité du mental, hein, vous voyez. Et avec le 9 d'épée, et c'est quelqu'un qui a défié peut-être une certaine façon de faire des gens qui l'entouraient. Carte numéro 55, on est dans 10, ça fait 10, c'est Yod. C'est quelqu'un qui s'est mis au vert, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait, c'est quelqu'un ben, qui vit comme un moine, hein, on va dire. Et on va dire que c'est karmique, hein, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de purifier ses, on va dire, ses émotions, voilà, son émotionnel, de repenser en fait les relations sentimentales qu'il a et les relations d'engagement. Et c'est pour ça qu'on est... Et donc c'est quelqu'un qui peut être aussi dans la défiance vis-à-vis des gens qui l'entourent, hein, qui a pu être aussi dans la rébellion aussi vis-à-vis de messages qu'il a eu par rapport au mental. Hein. Donc en fait, on est sûr, il y a beaucoup de défiance par rapport au mental pour... voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blocage aussi dans la matière. Et c'est par rapport à un engagement ou c'est par rapport à une décision. Donc là, nous sommes sur un 4 de denier. On est en train de clôturer une situation ou on a clôturé une situation et on est en train de se faire plaisir. On s'offre un présent. Donc voilà. Et puis quelque part, c'est quelque chose qu'on garde. Vous voyez, c'est pas quelque chose en fait que l'on donne ou que l'on va partager. Là, il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose, qui a probablement trouvé un trésor, qui est en train de mettre, on va dire, beaucoup de choses
en terre. Et donc là-dessus, en tout cas, pour les masculins, c'est un présent. Il y a peut-être des connaissances aussi qui ont été acquises. Parce que le 4 de denier, on va dire, on garde aussi les choses pour soi. Il y a peut-être une dualité aussi avec d'autres personnes où en fait on va garder son argent. Voilà, c'est, on va dire que l'argent va être saupoudré, on va dire, pour des bonnes causes. Vous voyez, hein, on voit bien. C'est en rapport avec les enfants, c'est en rapport avec la famille et c'est en rapport avec la terre. Pourquoi? Parce qu'on a pris des connaissances. Donc là, on est sur donc toujours le magicien, le battleur, mais on va dire que quelqu'un est malade aussi de s'enfermer. Donc en fait, très clairement, les masculins, vous êtes malades parce que en fait, vous êtes dans vos crimin avec vos criminels intérieurs, vous êtes dans votre prison mentale, parce qu'on a la carte de la prison au-dessus. Et donc, en tout cas, vous êtes malade parce que c'est votre ego qui vous rend malade. C'est votre orgueil, hein, c'est votre vanité, pour être assez clair, qui vous rend malade. Il y a des gens qui sont malades par rapport, en fait, je vous dis, à des décisions de justice ou à des décisions tout simplement qu'ils doivent prendre par rapport à une femme qui leur apporte beaucoup de passion. C'est une femme qui a pas mal de valeur. Voilà. Et donc en fait ces personnes sont malades aussi parce que peut-être qu'ils ne se sont pas écoutés par rapport à leurs sentiments. Ils ont été beaucoup dans la rébellion de leurs émotions, de leurs sentiments vis-à-vis justement de cette passion. Et donc voilà. Alors juste à côté, il y a un 6 d'épée avec une déclaration. Donc clairement, il y a un homme qui, par rapport à une femme, une femme, je vous dis, qui apparaît plutôt comme pas quelqu'un de très correct, on va dire, hein. C'est pas quelqu'un qui a des vraies, qui a des valeurs, on va dire, authentiques, hein. C'est quelqu'un qui est sur l'argent. Eh bien, il va y avoir une déclaration qui va être faite à cette femme, ça va trancher. Ça va trancher puisqu'on est sur un as d'épée et sur un as de denier. Et donc en tout cas, cette déclaration va mettre un terme aussi à, on va dire, peut-être à une relation karmique. Et c'est pour ça qu'on a, voilà, et ça va être la force majeure. Ça va être, voilà. Donc là, on est peut-être sur des dépendances, des dépendances, mais très très importantes, des dépendances karmiques, des choses qui reviennent depuis très longtemps. Voilà, et après, en fait, c'est une personne qui va probablement, on va dire, vivre dans une certaine solitude ou un certain isolement. Voilà, alors je continue. Mais c'est de cet isolement, en fait, que la personne va complètement se transformer. Il y a un très gros changement. C'est une personne qui va tirer avantage de cette situation. On va dire qu'il y a des masculins qui reculaient par rapport à une déclaration qu'ils doivent faire à une femme. Bon, je vous dis, il y a de la justice, il y a pas mal de choses. Pour l'instant, ils sont dans l'isolement, ils sont dans leur prison mentale. Je vous dis, ça va être jusqu'à la pleine lune. Hein. Bon, il y a des gens qui sont malades de leur dépendance affective. Carte numéro 15. Ouais, c'est sa mèche. Donc en fait, il y a des gens qui tournent, on a deux fois le diable. C'est des gens qui tournent dans leur dépendance, hein, depuis très longtemps. Il y a des schémas karmiques récurrents. Il y a du redoublement karmique. Et là, on va dire qu'il y a des gens
qui par rapport, on va dire, à une récupération, voilà, ils ont récupéré, on va dire, physiquement, hein, en tout cas, ils vont le faire, hein. Eh bien, ils vont se faire, hein, ils vont se faire plaisir. Voilà, et quand ils, étant donné qu'ils vont commencer à se faire plaisir, ça va être la clôture de cette situation. Alors, il y a aussi, parce que la déclaration, on est sur un 6 d'épée, il y a une dualité du mental par rapport, en fait, à une relation amoureuse. Et ça concerne, en fait, quelqu'un qui se faisait abuser psychologiquement, puisqu'on est sur une carte inversée, c'est la carte 58. Donc en fait, on est sur des gens qui se sont fait complètement balloter au niveau, on va dire, de la justice, mais au niveau d'un équilibre aussi psychologique. C'est des gens à qui on a fait croire, voilà, des valeurs qui sont fausses. Enfin, les valeurs sont justes, mais on va dire que la situation, en fait, dans la matière, les gens autour de vous, en fait, c'est par rapport à ces valeurs, on vous a manipulé complètement. Et c'est pour ça que vous êtes malade. Voilà. Et donc, c'est des gens qui, on va dire, pour compenser, vous voyez, bah, ils avaient, carte 55, ils avaient peut-être des relations multiples, justement parce qu'ils n'avaient pas envie de voir, en fait, cette situation. Il y a des gens qui sont énormément... qui se sont énormément voilés la face par rapport à leurs véritables sentiments, leurs véritables émotions, ce qu'ils voulaient vraiment faire dans leur vie. Ouais, il y a des gens vraiment qui sont mis la rate au courbouillon. Ouais, qui sont vraiment restés dans leur dépendance. Et là, il y a un changement. Il y a un effondrement de l'ego, il y a un changement. Voilà. Bon, j'arrête de battre. Donc là, nous avons un 10 de bâton inversé. Donc on arrive bien au bout d'un cycle. Donc il y a des gens, je vous dis, des hommes qui vont partir, hein. Ils vont laisser leur baluchon et puis ils vont se casser. C'est un peu ça. Bon là, on va dire que l'ascension a été rude, hein, parce que monter comme ça dans une montagne, voilà. Et en même temps, c'est des personnes avec l'écureuil, ils ont mis de côté, vous voyez. Et là, ils arrivent au bout d'un cycle. Et je vous dis, à la pleine lune, ça va être l'illumination. Ils seront tellement sortis, on va dire, de leur zone de confort. Ils vont sortir, en fait, de leur dépendance, ils vont se rendre compte, en fait, des manipulations des gens autour d'eux. Alors, je retourne mes cartes. Là, nous avons un 6 de pentacle inversé. Donc, 6, hein, on est toujours par rapport à 6, c'est vave, relation sentimentale. On est toujours par rapport à des personnes où il y a des synchronicités. Des synchronicités, il y a du hasard. Donc voilà. Donc là, il y a un vrai changement, en fait, qui est en train de s'opérer. Il y a des gens qui font plus confiance à leur perception. Ils sont plus dans l'équilibre, on va dire. Ils sont plus en réception, voilà. C'est des personnes qui sont en réception. Donc là, on est vraiment avec des hommes qui vont être dans le recevoir et le donner, voyez. Donc on est dans l'ouverture, en tout cas on va l'être avec l'as de coupe. Et là c'est un vrai changement pour des masculins. Ensuite, donc il y a une reine de calice inversée, hein, je vous dis, on est dans les hauts chakras. Et donc en tout cas c'est dans le mental du masculin,
En fait, voilà, cette reine de Calice, les masculins, vous l'aviez mis dans votre prison mentale. Vous vouliez plus en entendre parler. Elle était au fin fond d'une boîte, hein, d'une boîte dans votre tête. Et donc, en fait, eh bien, on va dire mentalement, eh bien, ça a été la guerre. C'était la guerre. Ça a été le temple foudroyé pour aller récupérer en fait cette dame qui visiblement vous procure beaucoup de passion, puisque on est sur un roi de bâton. Donc là il y a là il y a un dévoilement, si vous voulez, au niveau du mental d'un masculin par rapport à une femme. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a des hommes qui sont en pleine réception. Réception de leur intuition, bien sûr. Et donc, ça concerne le 6 de Calice. Donc, le 6 de Calice, ça concerne une femme du passé. Donc, clairement, c'est une personne qui peut être assez jeune d'esprit, ou en tout cas, vous avez, les masculins, une relation très. Voilà, une connexion très forte avec une personne du passé. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez quand vous étiez jeune, très jeune, ou vous avez une relation, on va dire, qui vous met dans une certaine jeunesse, ou ça peut être aussi une relation karmique sur plusieurs vies. Voilà, ça veut dire ça, et ça veut dire aussi que vous êtes dans le regret. Et ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à cette relation sentimentale, eh bien, vous étiez dans une certaine défiance par rapport justement à cette personne. Voilà, parce que vous étiez sur un œuf d'épée, donc en fait, bah, vous résistiez en fait à ce bonheur, voilà. Donc voilà, donc vous ne vouliez pas voir que vous aviez cette personne autour de vous et vous résistiez à ce bonheur. Donc là, nous avons un présent. Donc un présent, c'est la sorcière. La sorcière, ben, c'est un peu l'équivalent du battleur. On est toujours dans Aleph, on est toujours dans le chakra numéro 11. Et donc on va dire que y a. Vous êtes en train, les masculins, de prendre des connaissances par rapport en fait à un présent, à un cadeau que vous voulez faire. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Chevalier de coupe, par rapport à des connaissances qui vont être prises par rapport à un masculin, et on va dire, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez avare au niveau de l'argent en tout cas, et le 4 de denier, c'est ça, c'est quelqu'un qui garde son argent, et donc en tout cas, c'est un homme qui va arriver pour montrer ses sentiments et qui va faire un cadeau. Voilà, un cadeau parce qu'il va être, il va être dans une certaine réception. Réception évidemment de son intuition. Là, on est sur un page de pentacle à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui reprend l'ancrage, qui est en train de sortir de sa maladie aussi. C'est quelqu'un qui peut aussi, le page de pentacle, reprendre des choses à zéro par rapport à une histoire de justice, hein, puisque carte numéro 8. Et c'est quelqu'un qui reprend les choses par rapport aussi à une reine de bâton. Ouais, par rapport à une reine de bâton. Voilà, qui lui a donné beaucoup de soucis. Donc en fait, là, on est beaucoup plus sur l'intuition et il y a un chien. Donc en fait, on va être beaucoup plus sur la fidélité. Sur la fidélité par rapport à ce que l'on aime, et ça peut être aussi, je vous dis, l'ancrage, les pentacles. Donc, c'est par rapport en fait, on a envie de s'ancrer avec une femme. Ça peut concerner les signes d'eau et les cancers. Là, nous avons un chevalier de bâton à l'envers aussi. Donc, en fait, on est en train de cheminer. Voilà, chevalier de coupe, chevalier de bâton, c'est par rapport à une passion. On est en train de cheminer, peut-être pour faire une déclaration aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train
de se rendre dans un village ou dans une ville qui est en train de revenir. Alors, puisqu'on a la carte du monde inversée aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger et c'est peut-être une femme qui arrive aussi. Voilà. Et c'est par rapport à une. Voilà, c'est quelqu'un qui découvre en fait qu'il a une connexion. Une connexion qui est très très forte, voilà, qui ne, voilà, la personne ne voulait pas voir cette connexion. Je vais prendre le tarot akashique. Par rapport à par rapport à une reine de calice, par rapport à une reine de coupe, hein, une personne avec laquelle les masculins ont une énorme connexion. On est sur un page de pentacle, donc en fait on est vraiment sur une prise de conscience, je veux dire, qui est forte, hein, puisque c'est un 6 de coupe, hein, c'est une connexion qui est très forte. Et en même temps, voilà, on essaye d'être dans une certaine authenticité, on va dire. Mais c'est le début, vous voyez, on est un peu, voilà, c'est le fou, c'est l'apprenti, c'est le battleur. Mais on est toujours sur une connexion avec le passé, hein, une connexion du passé, et on est toujours sur une connexion qui est très forte. Voilà, et cette femme a une couronne de fleurs roses, des lys roses. Donc en fait, il y a aussi, je crois, les lys et la sexualité. Donc là, chez certains masculins, il y a des prises de connaissances. Hein. On a deux fois, on a plusieurs fois le battleur, la sorcière. Et la prêtresse, donc on est entre Aleph et Beth. Ouais, il y a un très très gros changement qui s'opère en termes de, en termes d'intellect. Il y a une très grosse préparation. Une préparation, je veux dire, dans l'intériorité, hein, ça se voit pas dans la matière. Allez, hop. Alors là, nous avons l'engagement à l'envers. Donc très clairement, toute cette préparation est faite pour un engagement. Alors c'est un 1 de rose, il est à l'envers, c'est normal, comme je vous le dis, on est entre deux, hein, voilà. On est entre deux. Alors, il y a deux choses. Cet engagement, ça peut être donc en fait la projection du masculin par rapport en fait à une féminine, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Mais étonné qu'il est aussi à l'envers, on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui se désolidarise peut-être d'un engagement aussi du passé. Ou d'un engagement vis-à-vis d'une reine de denier, voyez, voilà, c'est quelqu'un qui découvre les choses et qui, il y a un engagement parce on a quand même un 10 de bâton en deck aussi et par rapport au diable. Donc en fait, il y a des masculins qui vont quitter en fait un engagement qui était en fait une relation de dépendance. Voilà, parce qu'ils vont avoir des éclaircissements par rapport peut-être à de la manipulation sur un contrat. Donc là, nous avons le 6 de force inversé. Voilà, donc en fait, on est dans l'épuration des émotions, on est dans l'épuration, on va dire, voilà, on a un 6 de pentacle et un 6 de force. C'est par rapport en tout cas à un changement. Voilà, donc en fait, on est en pleine épuration, mes amis, on est en pleine cascade émotionnelle. Et on va faire ça avec force, ça veut dire qu'on va avoir la volonté aussi d'avancer.
Là, on a la tranchée karmique à l'envers. Hein. Donc, très clairement, vous sortez de votre karma. On n'est plus dans la roue de la fortune. En tout cas, on ne va plus l'être après. Parce que c'est quelqu'un qui va décider de faire les choses pas du tout comme les gens de sa famille. C'est quelqu'un qui va vraiment trancher par rapport à, on va dire, des schémas récurrents transgénérationnels, des croyances familiales, des croyances erronées. Vous êtes en train de sortir du lit de la rivière de votre famille, en fait. Voilà. Et ça concerne une reine de calice. Donc, en fait, c'est par rapport à une femme que vous allez totalement vous transformer. C'est peut-être aussi, je vous dis, on a un 5 d'épée. Donc, c'est peut-être aussi par rapport, on va dire, à un engagement, à un contrat, peut-être par rapport à un divorce, voilà, ou par rapport à un engagement dans une, on va dire, une profession où vous avez toute votre famille. Et donc là, vous allez partir, peut-être au bord de la mer, on va dire. C'est possible avec cette reine de coupe. En tout cas, vous avez perdu beaucoup de temps, visiblement. Hein, c'est ce que dit la carte quand elle est inversée. Vous avez vraiment tranché, enfin, vous avez creusé votre tranchée karmique. Voilà, c'est quelqu'un qui sont des hommes qui ont énormément travaillé. Et donc là, en tout cas, c'est à l'envers. Donc là, vous partez en tout cas de cette situation. Là, on est toujours à l'envers sur le 8 de clé, sur le maître artisan. Donc il y a des gens qui vont peut-être se mettre à leur compte aussi. C'est peut-être aussi des gens qui vont on va dire, créer de nouvelles choses. Y a des projets qui sont en cours, des projets qu'on fait avec les mains ou dans lesquels en fait on a une certaine dextérité. Ça peut concerner, moi, ce que je sens, c'est bizarre, c'est du parfum. Du parfum, des choses très très minutieuses, où en fait il faut avoir de la sensibilité, de la perception et de l'émotion. Il y a des choses avec une certaine purification. Il y a en tout cas, c'est un homme qui va recevoir en fait des talents, qui va découvrir des dons. Le maître artisan aussi, c'est peut-être par rapport en fait à une personne du passé. Y a des gens qui ont laissé des projets de côté, il y a des gens qui ont laissé des idées de côté, il y a des gens qui ont laissé leurs talents de côté. Et donc là, ce que l'on sent, c'est que il va y avoir en fait des prises de décision par défiance vis-à-vis de la famille, par défiance vis-à-vis de personnes autour de vous, de groupes d'amis en fait qui font pas du tout les mêmes choses. Voilà, vous allez penser différemment les masculins. Voilà. Et 8, 8 en fait, on va dire, ça va être la clé d'un rééquilibrage karmique. Donc là, on a la muse à l'envers. Carte numéro 15. Donc en fait, là, c'est par rapport en fait à un présent. Carte numéro 15, on est aussi dans le diable, hein, puisqu'on est dans sa mèche. Donc c'est par rapport peut-être à une femme en fait que vous aviez, où vous aviez une relation sentimentale de dépendance. Et là, en fait, on reprend les choses à zéro. On reprend les choses à zéro, en tout cas avec un présent qui est offert. On est en train d'avoir une germination du cerveau parce qu'on est en train de prendre des connaissances sur soi. Et on est doucement en train d'arriver vis-à-vis en fait d'une femme qui peut être aussi une muse pour vous, les masculins. Et en même temps une sorcière, donc quelqu'un qui détient un certain pouvoir. Donc là, écoutez, la carte est droite, c'est dans les airs. C'est dans les airs. Il y a peut-être des personnes, je veux dire, qui sont en train de travailler par rapport à un voyage. Il y a peut-être des hommes aussi qui pouvaient être dans on va dire, dans les illusions. Dans les illusions par rapport en fait à une relation sentimentale. Et donc là, vous êtes en train de reprendre les choses à zéro. Dans les airs, ça signifie évidemment, on est entre Aleph et Beth. Ça veut dire que bon, les choses sont en suspens.
Ça veut dire aussi que la façon dont vous projetiez peut-être les choses avec cette personne, en tout cas, eh bien, ça collait pas dans le paysage. C'était pas parce que là on est sur une reine de bâton en dessous. Vous étiez pas prêt, en tout cas. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Et c'est par rapport aussi 18 et Tsadi, donc c'est par rapport à des illusions. Il y a des hommes en fait qui étaient pas prêts par rapport en fait à une femme qui était en fait l'inspiration de leur vie. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'avaient pas réglé en fait leur problématique, on va dire leur karma familial. Et donc voilà. Et cette relation en fait, eh ben vous étiez pas prêts en tout cas par rapport à cette relation. Cette relation qui est du passé. Donc là, il y a une ouverture du troisième œil parce que 18, ben, c'est 9. Et donc 9, eh ben, on est toujours dans l'ermite. Et donc, en tout cas, on est en train de revisiter, en fait, peut-être des voyages que vous avez effectués ou des déplacements que vous avez effectués par rapport à une femme. La façon dont vous aviez envisagé aussi l'engagement, c'est-à-dire qu'en fait, on était sur. L'engagement est à l'envers, donc on est sur un non-engagement. Voilà, parce que vous voyez, il y a deux personnes qui restent voilà sur Terre et la nacelle s'en va toute seule, vous voyez. Donc voilà, donc il y a peut-être des hommes aussi qui sont tombés malades parce qu'ils ne faisaient que des projections. Là, nous sommes bah, toujours sur un 5 de parchemin. Donc en fait, il y a une femme qui est dans la diversité, qui a beaucoup de projets. Voilà, elle est habillée en violet. Donc en fait, on est dans le chakra de la couronne. On est vraiment là, en l'occurrence, on est en train de prendre des connaissances. C'est des connaissances par rapport en fait à un travail, hein, puisqu'on est au-dessus, on a le maître artisan. Donc en fait, il y a des gens clairement qui ont des projets, ils vont se mettre à leur compte. Voilà, c'est des personnes qui vont probablement partir. Hein. Bon, là en l'occurrence, c'est une femme, mais ça peut être un homme. En tout cas, c'est une femme, on va dire la femme du, la féminine du masculin est en plein cheminement. Ou c'est peut-être un homme en fait qui est en train d'arriver vers une femme qui a beaucoup de potentiel. Voilà, alors je vais finir avec. Donc là, on règle des problèmes karmiques, hein, très importants par rapport aux familles. Il y a une épuration au niveau émotionnel, donc je vous dis, c'est pas évident. L'épuration, ça concerne les dépendances affectives vis-à-vis d'une femme qui peut être une musicienne. Qui peut être, voilà, parce que bon, là, en l'occurrence, c'est ça. C'est une femme qui a un parfum. Alors, il y a peut-être des masculins, on va dire, en synchronicité, qui vont respirer un parfum qui vont leur faire penser à une femme. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que, bah, en fait, les choses n'étaient pas prêtes. Hein, puisqu'on est dans les airs sur la carte avec 18, c'est la Lune. Alors là, il y a une personne qui va se précipiter. On l'avait déjà eu cette carte. Donc peut-être après la pleine lune, il y a une personne qui va se précipiter. Là, on a une personne qui est en train de faire ben, l'architecture de son mental, l'architecture de sa vie. Vous êtes en pleine projection de vos projets. En même temps, il y a des gens qui vont peut-être aller consulter des psychothérapeutes ou carrément des chamans, des hommes, hein, ils vont se faire aider. En tout cas, on vous conseille ça. Et ouais, vous allez vous faire aider, les masculins, pour traverser justement vos émotions. Parce que là, ça va être très très difficile. Ouais. Et là, on est vraiment là-dedans. Et ensuite, en octobre, en fait, on a une élévation. On a une élévation, voilà, haute responsabilité. Donc en fait, on va dire que vous vous prenez en main, voilà, les choses vont vraiment commencer en octobre. Parce que tout ça, là, tout ce que je décris, ça se fait pas en une journée, voyez. C'est vraiment, surtout en ce qui concerne le guide des traversées,
veux dire, c'est quelqu'un qui est en train de passer d'un monde à l'autre. Enfin, c'est quelqu'un qui est en train de totalement se vider. Je veux dire, la cascade, c'est la cascade des émotions. C'est la cascade où, en fait, on comprend les émotions. Il y a un très, très gros travail sur les émotions. Pourquoi ? Ben parce que quand vous, plus vous travaillez sur les émotions, plus vous sortez de votre mental. Donc, plus vous sortez de vos illusions. Donc, c'est pas simplement des illusions de votre vie maintenant. C'est aussi les illusions de toutes les personnes de votre famille depuis le début, depuis le commencement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a la tranchée karmique, parce que justement c'est très compliqué, c'est très dur. Voilà, et on est sur des phases de dépendance affective, de dépendance sentimentale. Il y a des gens dans les familles, ils ont été sur des dépendances affectives par rapport à des femmes, à des schémas récurrents de femmes, de manipulation et tout ça. Voilà, depuis des années, voire des siècles. Donc là, on est en train de sortir de tout ça. Donc c'est comme si on s'arrachait la peau. Hein. Bon. Donc là, en fait, on a la carte du soldat. Donc, clairement, il y a des gens qui vont être dans une très grande stratégie. Le soldat, c'est le sacrifice. Et le soldat, c'est aussi une personne qui vit seule. Donc, il y a peut-être des masculins qui vont décider d'être... Enfin, en tout cas, en ce moment, ils sont dans la solitude. Ils sont dans la solitude, ils sont à la campagne. On l'a eu deux fois, cette carte. Ensuite, bon, relation flamme jumelle. Vous voyez, donc c'est vraiment des relations de flamme jumelle âme sœur. Ça concerne un homme qui est un dirigeant et qui va, envie de dire, prendre les rênes de sa vie en main. Hein. C'est ce que je vous dis toujours, il ne faut pas laisser les gens prendre le volant de votre vie. Hein. Donc là, vous allez récupérer ça. Et donc, en tout cas, il y a des gens qui sont en train de purifier leurs émotions parce que ces émotions les mettaient dans la maladie. Et notamment, ça concerne des vies altruistes. Ça veut dire que au cours des vies karmiques, les masculins, en fait, eh bien, vous avez été dans la maladie aussi parce que vous étiez dans le sacrifice de vous-même, par rapport en tout cas aux gens qui vous entouraient. Vous vous sacrifiez pour les autres et c'est pour ça que vous avez développé des relations de dépendance et souvent vous étiez, voilà, vous êtes malade. Et donc là, en tout cas, eh bien, tout ça est fait évidemment pour débloquer l'abondance. Débloquer votre abondance et on va dire que c'est une femme qui va débloquer votre abondance. Voilà, parce que vous avez une abondance bloquée. Bon, alors, je vous dis, dans la matière, c'est des gens qui perdent de l'argent, c'est des gens qui tombent malades, c'est des gens qui se font manipuler, c'est des gens qui... là, qui arrivent au bout d'un cycle, 10 de bâton, vous êtes au bout d'un cycle. Et c'est des gens qui ont peut-être toujours vécu dans une certaine solitude, qui vont décider de vivre dans un autre endroit, vivre à la campagne peut-être. Et c'est par rapport à... Ils font tout ça par rapport à une femme qui est une muse pour eux. Voilà. Mais vu que c'est une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, enfin c'est une relation avec une connexion très forte, eh bien on peut dire que en fait tout est fait pour arriver en tout cas à un certain résultat. Vous voyez, il y a une stratégie chez le masculin. Donc là, on est sur la force intérieure. Là, on est sur le dadiri. Donc en fait, c'est peut-être une forme de réconciliation aussi. Réconciliation de vos émotions. Il y a des gens qui sont en train d'écouter, on va dire, leur... il y a des messages qui leur arrivent dans le chakra de la couronne de la nuit. Et on est sur des personnes qui peuvent être sur le chagrin, évidemment, puisque lorsqu'on triture les émotions, lorsqu'on sort du mental, eh bien, évidemment, ça coule de source. Voilà, et donc, en fait, on est avec des hommes qui sont dans le silence. Et voilà, et donc, en fait, ils sont en train de purifier et d'unifier leur arbre transgénérationnel. Ils sont en train de passer d'un état à un autre. Et donc, en tout cas, ce sont des hommes qui veulent la paix intérieure. Et donc là, on est avec des hommes, on est sur l'épuisement émotionnel, hein, ce qui est normal, on est dans la maladie. Et c'est en vue, alors la carte est à l'envers, mais je la mets à l'endroit, et il va y avoir un voyage de guérison. Donc il y a des déplacements et un voyage de guérison
Bah pour les masculins, donc il y a des gens qui vont se déplacer. Alors, je termine. Il y a des hommes qui sont épuisés, silencieux et épuisés. Il y a des hommes qui veulent avoir la paix, là, ils en ont marre. Donc, c'est la carte de l'engagement, ah ouais. Ouais, il y a des gens là qui... énergétiquement, ils sont en train de... En tout cas, ils vont se faire... Ils vont aller vers la guérison. Énergétiquement, hein, je veux dire. C'est des gens qui vont se faire aider. Hein, chaman, psychothérapeute, énergéticienne, voilà. Ça se sent. Et c'est par rapport à une notion d'engagement. Donc... Il y a des purifications aussi par rapport à des contrats, par rapport à des papiers. Il y a des gens qui vont faire des papiers. Voilà, ils vont acter dans la matière aussi des engagements. Donc là, la descente de Saint-Michel. Bon, bah écoutez, ça rigole pas, les amis. On est vraiment... voilà, là, ça va vraiment trancher dans la matière. C'est par rapport à toutes les formes de dépendance. Donc, en fait, on vous dit de cultiver la joie. Bon, lapis excelsis, hein, qu'on avait déjà eu évidemment. Donc là, il y a des masculins qui sont en train de faire des projections de leur avenir, hein, de ce qu'ils veulent faire. Grâce et reconnaissance, pourtant j'ai bien battu, c'était hier aussi. Donc en fait, on est en pleine libération, hein, carte numéro 20, c'est pareil. Et donc là, nous avons la chance, le dragon magique. Donc en fait... on va dire que toute cette épuration et toute cette libération, ça va être une chance pour les masculins. Et c'est par rapport à une féminine, vous allez récupérer en fait votre pouvoir. Et là, on a Oromasis, donc ça va être une purification par le feu. C'est pour ça qu'on a la carte du fou à l'envers, parce que la carte du fou, évidemment... On est dans la lettre hébraïque Shin, et Shin, en fait, c'est le feu. Hein, c'est vraiment, c'est le feu divin, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, ce tarot est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.